c'était le roi Mohamed VI, la 6e édition des Impériales. Rendez-vous incontournable des professionnels du secteur du marketing, de la communication, du digital, des médias, des études et de l'événementiel revient du 8 au 12 mai à Casablanca. Rencontrez les experts nationaux et internationaux lors des Impériales pour partager leur expérience, améliorer vos performances, pour débattre et découvrir les toutes dernières pratiques des différents métiers de l'écosystème. Réservez votre place dès maintenant sur le site www.lesimperiales.com. Les Impériales, du 8 au 12 mai 2023 à Casablanca. Le grand journal, Antoine Casalta. Et merci d'être avec nous. C'est le moment de votre échappée culturelle qui nous fait remonter le temps. Elle nous emmène dans la vieille ville de Jérusalem, à l'emplacement de l'ancien quartier maghrébin, un quartier rayé de la carte à la fin de la guerre de Six Jours en 1967 pour permettre aux Israéliens d'avoir accès au mur des Lamentations. Et avec sa disparition, la disparition de ce quartier, l'existence même d'un quartier maghrébin à Jérusalem a sombré dans l'oubli. On ressuscite ce quartier avec Camille Lassu à Jérusalem. C'est notre échappée culturelle. On est sur une grande place, on voit en face de nous le mur des Lamentations. Un peu plus loin, à côté, il y a la passerelle qui donne accès à la porte des Maghrébins. C'est par là que les non-musulmans peuvent avoir accès à l'esplanade des mosquées. Et puis devant nous, il y a cette grande esplanade, très minérale. C'est là que se trouvait le quartier maghrébin, un quartier qui naît au XIIe siècle. Son fondateur est très glorieux, hein, c'est un certain Saladin. Vincent Lemire est historien, directeur du Centre de recherche français à Jérusalem. Il a écrit « Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem, 1187-1967 ». Saladin ?